Au total, 16 infrastructures vont être réalisées dans le cadre d'un programme lancé en 2017 et qui vise à réduire la pauvreté, explique Aissatou Ayoba, la coordinatrice nationale du PADES. Parce que l'approche conceptuelle du programme essaie de combiner l'économique et le social et s'appuie sur l'idée selon laquelle il faut agir sur les contextes, améliorer les contextes pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir mieux booster, libérer leur potentiel d'initiative et pouvoir s'investir dans les initiatives économiques. Ainsi, une maison des femmes est implantée dans la commune de Goudom, un poste de santé à Koussi et 3 écoles élémentaires ont été réceptionnées dans les localités de Bindaba, où face à l'urgence, des enseignants sont obligés d'utiliser des salles qui attendent d'être réceptionnées, confie Salimata Diédou, la directrice d'école. Chaque fois, on entend « Oubite Diangate ». Maintenant, chaque année, nous, on accuse de retard. Maintenant, pour empêcher ça, ils ont fait 2 classes, sont obligés de regrouper première étape et deuxième étape. Le CM1 et le CM2 fonctionnent dans les anciens bâtiments. Ponctués de visites des sites, la réception provisoire des infrastructures a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et de prendre des dispositions idoines pour faire face aux lenteurs. Nous avons pu, en relation avec les structures techniques qui accompagnent le programme et les autorités administratives, travailler à partager, en tout cas à faire produire par l'entrepreneur un planning détaillé pour pouvoir finir les chantiers à temps, donc au plus tard, en fin janvier. Dans le cadre de cette visite de la directrice du PADES à Sédou, un poste de santé et un centre d'éveil ont été également réceptionnés à Bounkiling et les populations s'impatientent de voir sortir de terre d'autres infrastructures annoncées dans le cadre de ce programme financé par la coopération italienne.